Monsieur le Président, bonjour. C'est en ma qualité d'historien chercheur universitaire, notamment professeur spécialisé en sciences politiques, que je m'adresse à vous, en votre qualité originelle d'universitaire spécialisé en droit constitutionnel. Car êtes-vous d'abord juriste de profession avant d'être politicien d'acquisition en accédant à la tête de l'État tunisien Monsieur le Président, rappelons d'abord les faits. Comme vous le savez, le Maroc a décidé de ne pas participer au 8e sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août et de rappeler immédiatement en consultation l'ambassadeur du roi à Tunis, a indiqué vendredi 26 août 2022 le ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger. Eh bien, parce que, comme le confirme le dit ministère, la Tunisie, contre l'avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies, a décidé unilatéralement d'inviter l'entité séparatiste ajoute la même source, relevant que l'accueil réservé par le chef de l'État tunisien, chef de la milice séparatiste, est un acte grave et inédit qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives. Vous ne pouvez pas nier l'irrégularité de cette invitation, car nous savons assurément que ce sont le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, et le président tunisien que vous êtes, qui ont signé les invitations adressées aux participants du 8e forum africano-nippon TICAD 8 Et il est autant établi qu'un document de la mission japonaise auprès de l'Union africaine daté du 19 août 2022 que nous voyons devant nous. Ce document confirme que le polisario n'a pas été invité à cette manifestation à Tunis puisque le Japon ne le reconnaît pas et a toujours refusé de l'inviter, d'ailleurs pour confirmer cette réalité. Rappelons que lors des délibérations de la première session plénière de la huitième édition de la TICAD, la délégation japonaise a fait une déclaration dans laquelle elle a réaffirmé que la présence de toute entité qui n'est pas reconnue par le Japon en tant qu'État souverain, lors des réunions liées à la TICAD 8, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au sommet, n'affecte pas du tout la position du Japon concernant le statut de cette entité. Fin de citation. Et par conséquent, la Tunisie n'avait pas le droit de dicter une procédure d'envoi d'invitation unilatérale, parallèle et spécifique à l'entité séparatiste, et en contradiction flagrante avec la volonté franche du partenaire japonais. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas prétendre la neutralité surtout positive en recevant officiellement chez vous un homme qui n'a ni un peuple, qu'il a élu, ni un territoire indépendant sur lequel il exerce un pouvoir souverain, ni un État authentique qu'il dirige comme étant son chef, à l'instar de vous-même et des autres États membres de l'Union africaine. Monsieur le Président, devrais-je vous rappeler que le président tunisien, père de la nation tunisienne, j'ai nommé Habib Bourguiba, artisan de l'indépendance tunisienne, était le premier à dire courageusement ce qu'il pensait sur la question du Sahara marocain, quand il déclarait que le Sahara occidental est un territoire marocain. Un petit État fantoche serait soumis aux pressions environnantes. Monsieur le Président, cette déclaration de votre premier prédécesseur, un grand leader maghrébin souverain, a été faite au journal Le Monde. Du 1er novembre 1975, on était à cinq jours, cinq jours seulement de la marche verte. Le chef de l'État tunisien n'avait-il pas flairé la tendance hégémonique de Boumediene et la menace qui s'en profilait Quelle pression environnante pourrait-on imaginer autre que celle provenant de l'Algérie, Monsieur le Président Au cas où un État, petit État fantoche, sahraoui, venait se greffer entre le Maroc et la Mauritanie et c'était aussi dans les années 70 avant la marche verte que le même président tunisien Habib Bourguiba déclarait Je cite, L'Algérie ne croit pas en un grand Maghreb, mais en une grande Algérie. Et une grande Algérie qui inclurait la Tunisie, la petite Tunisie par rapport à tous les États du Maghreb, surtout en termes de superficie. Donc plus facilement à envahir par l'Algérie. Militairement parlant, là encore, Monsieur le Président, le dirigeant tunisien Habib Bourguiba n'avait pas tort, car en avertissant à Alger que le Sahara occidental fait partie de l'Algérie et qu'il n'y a qu'un seul Sahara au Maghreb, celui de l'Algérie, Boumediene exprimait à la fois au niveau maghrébin sa volonté hégémonique, son esprit expansionniste et sa fibre néocolonialiste. Monsieur le Président. On ne cache pas la vérité quand elle éblouit tel le soleil au cœur du ciel en plein jour. Car Boumediene rêvait de faire de l'Algérie la grande puissance du Maghreb et essayait d'isoler le Maroc et de l'encercler du côté de l'Atlantique. Ne faites donc pas son jeu, consciemment ou inconsciemment, car ce jeu est un feu qui brûlerait la Tunisie. Monsieur le Président je me dois de vous dévoiler, par honnêteté intellectuelle et par respect à l'histoire, vos contradictions flagrantes, preuves à l'appui. Primo, vous prétendez adopter une position de neutralité sur la question du Sahara marocain, c'est-à-dire normalement et forcément envers l'Algérie et le Maroc, étant donné que le Polisario et son chef ne peuvent être comparés respectivement à l'État tunisien et à vous-même, chef d'État. Car la RASD que dirige Brahim Rali n'est pas un véritable État, et vous le savez bien, et parce que l'État algérien a été considéré par le Conseil de sécurité de l'ONU comme partie concernée et impliquée dans l'actuel conflit du Sahara marocain. La preuve en est sa participation officielle aux deux tables rondes de Genève, organisées par l'ONU en décembre 2018 et mars 2019. Se montrer neutre exige en conséquence l'abstention de toute déclaration ou action susceptible de constituer une implication de partialité en faveur du policiario ou une reconnaissance de celle-ci, de facto ou de jure, soit d'une république qui n'existe que dans l'imagination du régime algérien ayant participé à son invention. Monsieur le Président, votre acte politique pour le Polisario contre le Maroc semble stratégiquement inconsidéré à l'égard de la Tunisie et sans précédent depuis 1975 sous Bourguiba, car aucun des successeurs de ce dernier, sauf vous, n'a commis une telle initiative politique gravissime à l'égard de l'humain, y compris votre prédécesseur qualifié de dictateur, j'ai nommé Ben Ali. L'effet négatif et inattendu de votre initiative unilatérale, transgressant la procédure d'invitation des États africains, exigeant une co-signature du Japon et du pays hôte, n'a pas tardé à se matérialiser en poussant le président de la Guinée-Bissau et président de la CDAO, Umaro Sissoko Ambalo, à quitter la conférence pour protester contre la participation du polisario. Cette décision vient conforter la position d'un grand nombre de pays africains, dont le Sénégal, qui a regretté que ce rendez-vous de la Ticad soit marqué par l'absence du Maroc, un éminent membre de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous avez franchi la ligne rouge avec le Maroc en déroulant le tapis rouge au chef du Polisario. En faisant rougir, 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 en faisant rougir. en faisant rougir aussi bien ce tapis rouge que l'avion qui l'a transporté jusqu'à vous d'une manière aussi sournoise que l'illégalité de l'entité qu'il représente. Décidément, monsieur le président, vous avez accordé au chef du Polisario un titre, un rang et une qualité d'état tel que votre ancêtre politique et père de la nation tunisienne, Habib Bourguiba, dut se retourner dans sa tombe. Monsieur le Président, s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit l'adage, il n'est surtout pas trop tard pour se rectifier et corriger son erreur politico-diplomatique envers le Maroc. À savoir retourner tout simplement à l'engagement originel de l'État tunisien, adopté dès novembre 1975 par le père de la nation tunisienne, Habib Bourguiba.